Action. Cinq gros gaillards comme vous. Vous n'arrivez pas à fournir 10 centilitres de spermatozoïdes. Dans ce film, j'ai joué le rôle de la ritualiste professionnelle. Mais c'est toi-même, tu as vu l'apéro qu'il y avait hier soir. Tu n'as que quand tu as trop jonglant, non, mon frère, pour éjaculer, c'est tout un matin. Tu cherches même les positions d'éjaculation que tu ne trouves pas. Et c'était un peu compliqué. Mais sinon, moi, je te promets que le next time, non, on va arranger ça. C'est un petit problème. Hey, moi-même, d'abord, quand je m'énerve, j'ai même au moins ces 20 centilitres qui doivent d'abord sortir. On voit. Cola Junior. Il s'appelle Cola Junior. Toujours avec le parler dans la bouche. Le bavardage est dans son sang. Ah! Je n'aime pas trop le bavardage. Mais en t'étant réessayant, ouais, comment vous comprendre? Parce que jusqu'ici, tu ne m'as pas encore expliqué réellement ce que toi tu doux avec les spermatozoïdes là. C'est pour go féconder les gars ou bien. Parce que si c'est ça, moi j'ai perdu ma fertilité depuis. Hein. Moi, un peu plus enfanté. Son bavardage n'était pas là mon problème. Tout ce qui m'intéressait, c'était de jouer mon rôle. Je cherchais toujours à être parfaite sur scène. Concentre-toi d'avoir les 11 millions dont je t'ai promis. Au lieu de chercher à... Concentre-toi, ne se perds pas. Ah oui, coupé. Oui. Ah. Je travaillais avec ces réalisateurs super sympas qui nous montraient vraiment de l'empathie et nous encourageaient de plus en plus de mieux travailler. C'était magnifique. Attends, on prend à quel niveau? Monsieur, tu te fais quoi dans la vie? En te temps resté, dis-moi même un peu. Toi, tu dis quoi même dans la life? Je suis criminel professionnel. Criminel. Et c'est à la maman, tu n'y es trop les films. Moi-même à l'époque, quand mon manga, moi avec ma star là, que non. Quand le gars faisait un oui à la TV, il disait seulement que je suis ça. Mais tu comprends, gars, tu sais que l'enfance, elle, les films, tous les oui là. Criminel professionnel. Tu es qui? Tu es Hitman Kodenam. Mais moi, t'es Yamo parce que tu as le sens de l'humour. Oui, gars, hey. Avoir les gars d'abord, collaborer avec les gars qui sont fous comme toi, c'est rare. Mais 11 balles, mon frère. Joli garçon. Sais-tu conduire? Ouais, non, il y a le permis W, le char, les avions, les trains, moi-même, il y a plus de sens. Voilà. Oui. Reste. Tu m'as pas toujours expliqué pourquoi on est là, ce qu'on est venu faire. Prends le volant et tu fermes ta gueule, ok? Mais c'est toi, tu dois déjà apprendre à me parler, mais toi, c'est toi que je viens. Ma mission ici était de me déguiser comme une vieille mendiante et kidnapper un enfant pour des rituels. Observe ce qu'elle fait. C'est passé, doit être oublié. Il est temps de prendre l'ampleur. Et du présent un bonheur. De notre amour, une fleur. Tu ma source d'inspiration. Tu me donnes le goût d'émotion. J'étais une actrice à double casquette. Je jouais le rôle de la daronne, le rôle de la kidnappeuse, également le rôle de la séductrice. Et je n'avais aucun inconvénient en jouant tous ces rôles. Je me sentais à l'aise. Là. Puis tu me mets là au centre. J'avais un pouvoir un peu élevé.
Bah. Voilà, c'est bon. Action. Le PC, c'est quoi ton problème, non? Je vois que la partie a bien commencé. En fait, les gars, je vous présente alors la daronne, la multimilliardaire. Oui. Applaudissez là-bas pour la daronne. Oh, ouais. Bienvenue, daronne. Je suis pas venu ici manger ni boire. Comme je disais tantôt, j'avais un pouvoir un peu élevé parce que je jouais le rôle de l'actrice principale. Mais cela ne me donnait pas le droit d'avoir la grosse tête. Je ne me prenais pas la tête en tout cas. Action. Clara, tu as reçu le paquet hier? Nous tendions déjà à la fin du tournage et chaque personnage avait bien joué son rôle. Au fait, chacun avait bien établi sa tâche et j'étais fière de moi avec un travail bien établi. On va porter ça au milieu. Mais arrête! Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Arrête! Qu'est-ce que tu veux? Quand toi tu pensais que tu pouvais me mettre dans les problèmes et voir un jeu comme ça. Et tu sais, tu as menti. Et tu es tombé sur la mauvaise personne. Et mes sentiments, tu fais quoi de ça? Quand tu crois que toi, tu allais m'allumer comme ça et puis toi, tu pars. Tu as pensé à ce que toi et moi, on pouvait battre ensemble. Mais je ne peux pas t'avoir, non. Personne ne t'aura. Et puis, tu dois danser. Le rassurant. J'étais un très bon associé, mais moi, je n'aime pas les gens qui me douzent. Ouais, c'est ton homme. Maintenant, même ta combi là qui est dans le deal, elle-même, elle peut représenter une menace pour moi. Il faut que je cherche à voir comment il peut aussi régler son compte. Parce que dans l'affaire, si je suis Jung dans ça innocemment, donc il va sortir innocemment en vrai. Dommage que je meurs à la fin du film. Mais il le fallait parce que j'étais la mauvaise personne. Et la mauvaise personne a le droit de mourir. Et Papa Isaboto, notre maître, notre père, notre conseiller, il était toujours là. Pour nous observer, pour nous apporter son soutien. Il était là à nous guider et à nous faire rire également. Parce que lui, il est très amusant. Hein? Même hormis du film, il est amusant. J'aime être avec lui. Déjà prêt? Tu as bien répété ton scénario? Super. Ok. Ça se passe. Le frère, tu es prêt? Bien. Avec la mairie. À qui t'es-tu?
Je suis avec Cola Junior et l'autre tête là, je ne sais pas trop comment on l'appelle ça. Oh, Mathieu. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est Léoma. Wouhou! Je ne sais pas encore qui l'a. Ok, on est avec notre réalisateur 2.0. Yes. Donc je veux Bamba. La tête de porc, c'est la moins chère. Ah, c'est le petit frère de Salatiel. Ok. Voilà, Blanche. Ça donne ses 2 milliards. C'est ça. Oh, t'es bien la chaussure. Et demande, hein, Marc, c'est toi qui t'assois, tu jettes mon pull au sol comme ça. Mm-hmm. Bon, comme ça, ne vaut pas le charismatique que tu as sur toi là. Ma mère, ne plie pas mon pull. Laisse ça tomber. Laisse moi faire ce que j'ai à faire. Ma mère, bonjour. Tu sors comme ça, tu sors d'où? Hein, ma? Fais une vidéo, non? Tu sors comme ça, tu sors d'où? Hein, mamie? Tu ne veux rien dire? Moi, je te descends à l'enroura. Le aussi, moi j'ai demandé ça au marché, on m'a parlé de 95 000, mais oui. Même la chaussure de pauvre, elle ne coûte pas comme ça. Comment tu peux saper, tu viens ici au cachet? Hein, maman? Tu ignores qu'il y a un gars, il y a la fille. Hmm? Tu ignores ça, maman? Dès qu'on te quitte là, là, papa, ton père qui est dedans, là, maman, tu ne peux pas sortir l'argent pour te récupérer. Parce que tu es d'abord sapé à gauche, tu comprends? Tu es sapé, tu comprends? Et comment c'est ta chaussure? Ça, là, maman. Tu achètes ça à combien? Dis-moi le prix, non, j'ai demandé au marché. On m'a parlé de 150 000. Maman, hey! L'argent, je te rends de mon père. 150 000, maman. Hey! Et ton sac là, maman, tu achètes ça à combien? Hmm? Tu ne dis pas 50 000. Maman, tu as les lunettes. Hey! Tu as les lunettes. Même Nathalie, quoi, ne voit rien derrière toi. Tu es belle, chérie. Je dis ça, je ne suis pas lesbienne. Je parle juste. J'ai le droit de parler de la sapologie d'une fille qui est belle comme toi, charismatique. Je t'ai dit, oh, tu vois, je les vois des lageurs. Tu joues mille fois, ça ne va pas te convenir. Il faut que je les vois des bengis. Tu comprends bien? 100 ans. Il dit, ça ne va pas te convenir parce que maman, tu as une beauté. Tu comprends que Dieu t'a donné, oh, tu prends ça. Et il t'a laissé garder ça dans une valise de bénédiction. Oh, tu... J'aime le rôle des villageois. Ça ne pourra pas te convenir. Monte, oh, tu descends. Tu n'auras pas ça. Et t'es dit, hein, va même partout, tu cherches, joue ton roi de Bengis, ça ira avec toi, ta maman. J'ai compris. Tu ta maman, hein? Je vais pas au père. Tu ta maman comment? Tu m'as demandé de taper le succès. Une belle fille comme toi, faut ma maman, je t'ai dit quelque chose. Je coupe la vidéo. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour infini. Merci pour l'intelligence, la sagesse que tu me donnes pour réaliser mes vidéos. Merci, Yahweh, de me donner ce savoir-faire. Merci de me donner la force de continuer dans des recherches. Continue à agrandir mon intelligence. Continue à agrandir ma foi et mon espérance en toi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Sois béni et sois loué. Merci, merci infiniment, Yahweh. Merci Seigneur.